Bonjour et bienvenue. On est reparti dans notre survie du week-end. Donc on a eu une petite pause. J'ai été occupé, j'ai des problèmes, tout le monde s'en fout, on avance. Donc nous sommes repartis dans notre survie du week-end avec une annonce de Interland. Hein. Le 30 mars, on devrait avoir la partie 2 de notre Season Pass DLC. Hein. Nouvelle chose, la radio et tout ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va devoir repartir dans cette zone maudite qui est l'aéroport. Yay! Ah là là, qu'est-ce que je suis content. Entre-temps, nous, on va s'équiper. Donc, il s'est passé quelques jours depuis. Comme d'habitude, j'ai toujours une chance énormissime. Hein. On dirait ma vie, honnêtement. Donc, on a un brouillard. On a un brouillard. Attendez, il faut que je voie. Si vous le saviez pas, on est toujours à la rivière, machin. Toujours à la rivière, machin. On est toujours là. Donc, j'ai passé quelques jours. J'ai fait le sac du cœur. Je suis juste dans la grotte, là, ici. C'est parce qu'en fait, j'ai eu le mal de l'enfermement. Parce que j'ai beaucoup travaillé, en fait, dans la. Ici, dans le bureau du camping, du coup. Donc, on a le sac de couchage, on a plein de flèches, on a plusieurs arcs, on a tout ce qu'on veut. On a tout ce qu'on veut, on est très très bon. Les vêtements, pour le moment, c'est ça. Donc, comme j'ai dit, on va devoir faire un deuxième manteau en peau d'ours un jour. Parce que j'ai une peau, en fait, qui est en train de sécher, mais il lui reste encore, je sais pas, une dizaine de jours, un truc comme ça. Donc, j'ai honnêtement pas envie de me taper 10 jours ici, encore une fois. Donc, on va rester comme ça pour le moment. Nos vêtements sont bonne condition. Il y a les chaussettes, peut-être à. Honnêtement, c'est juste c'est même pas des degrés entiers, donc ça va, ça ira. Pour nos skills et habilités. Au cas où, si ça a changé depuis, parce qu'honnêtement, je sais plus. Donc, collecte sur carcasse, on est bientôt à 5. La cuisine, on est à 5. J'ai fait en sorte de faire des demi-steaks et tout ça pour faire beaucoup en fait de nourriture, tout simplement. Comme j'ai dit, hein, il n'y a pas de différence entre si vous faites un steak de 354 kilos et un steak de 100 grammes. Donc, du coup, voilà, j'en ai fait plein de petits et j'ai pu augmenter la cuisine. L'allumage de feu, on est à 3,5. Après tout le reste, le tir à l'arc, on est bientôt à 5. J'aurais bien voulu en fait partir avec le tir à l'arc à 5. Mais bon, on fera ça dans notre aventure. On finira ça dans notre aventure. Raccommodage encore à 2. Il y a aussi une chose que je voulais faire, c'est la pêche sur glace. Je ne l'ai pas encore fait dans cette saison. Il paraît que ça va changer. Quand ça, j'en sais strictement rien. Voilà, on va peut-être attendre que ça s'améliore, la pêche sur glace. On va prendre ça. Ouais, on va sûrement attendre que ça s'améliore pour aller pêcher. Je vais être honnête, j'ai essayé de tuer un lapin. Donc je l'ai tué après avoir tiré 7 fois dessus à l'arc. Donc c'est pour dire que je suis légèrement rouillé. Oui, je suis légèrement rouillé à l'arc. J'aime bien parce que on n'a pas vraiment le son du vent. Mais par contre, il fait extrêmement froid. Bah tiens, il y en a encore un autre ici, mais on va pas se le faire. On va directement descendre sans se péter la gueule si possible. Et on va aller se mettre au chaud à la maison et je vais vous montrer un peu ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il fait froid? Donc je sais pas si on va pouvoir partir maintenant ou plus tard, j'en sais strictement rien. Honnêtement, j'avais dans l'espoir de partir maintenant. Mais mal barré. C'est un peu mal barré. J'en perds de la vie, ça commence bien. Ok, on est bon. On dormira une petite heure avant de partir, au pire. On dormira une petite heure. Très bien. On a du gibier qui est cuit et tout ça, de 1 kg. Donc on va prendre ça pour partir, parce que ça nous donnera plus de calories que la viande de loup. On va manger ça.
Parfait, parfait, parfait. Si jamais vous voulez vous noyer parce que vous supportez pas le froid, vous êtes libre de le faire. Il y a assez d'eau, hein. Il y a assez d'eau pour noyer une ville entière. Donc allez-y. Il n'y a pas de problème pour ça. On va déposer le... la peau que j'ai là du lapin. Non. Attends, qu'est-ce que j'ai déposé à... La viande, oui, la viande, pardon. La peau du lapin, c'est à l'entrée. Oui, on va déposer ça là. La peau du lapin, c'est à l'intérieur, pardon. C'est pas à l'intérieur, c'est à l'intérieur. Je l'ai fait ou pas? Non, j'ai déposé juste le boyau. Donc on a ça. Très bien, donc on a la peau ici. Donc 29%, vous pouvez faire le calcul. Il doit rester genre 9 jours, un truc comme ça. Donc non merci, ça ira, on va pas attendre. On a encore des pots de serre qui sèchent, il y en a qui sont déjà séchés. Oui, là il y en a plein. On a encore des boyaux, des pots de lapin, des pots de loup si besoin. Ça c'est des torches que j'avais mis de côté. Nous avons des arcs de survie. Donc très bien. Et ce qui est bien c'est que, comme j'avais dit la dernière fois, on est au niveau... 4, donc du coup, dégradation de l'état de l'arc à chaque utilisation, moins 50%. Donc ça prenait 2%, maintenant ça prend qu'un seul pourcent, comme j'avais dit. Donc ça c'est bien, donc on va prendre 1 et on va pouvoir tirer 100 fois. Vous savez, je sais compter, c'est bien. Donc ça c'est cool, ça c'est vraiment cool, donc on va faire ça. On va déposer celui-là, on va prendre celui-là. On a encore des bois, donc ça c'est pour les fûts, jeune bouleau séché. Jeune bouleau. Plume, fût de flèche, évidemment. Jeune bouleau séché. Donc, pour faire des fûts, on peut en faire plein. Hein. On peut rester là pendant 7 ans et toujours à crafter des fûts de flèche. Et on peut encore faire 3 arcs en plus. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Donc, sur moi, j'ai une vingtaine de flèches qui sont à 100% et j'en ai une qui est utilisée. Donc je pense qu'on va partir avec ça. Ça fait moins de 5 kilos juste en combat, donc c'est bien. On a la hachette à 100%, le couteau à 100%, enfin 99 c'est pareil. Nous avons quelques torches. Ça, il faut que je le replace là. Ah oui, je vais avoir du mal parce que j'ai un problème avec ma souris depuis un moment. Et pour scroller, c'est la merde. Bon, scroller vers le bas, ça va mieux. Mais après, scroller vers le haut, c'est un problème. Donc il faut que je change de souris. Mais changer de souris, c'est un peu comme changer de femme. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc, sinon, on a des tiges de machette ici. Ah oui, il y a du bois, il faut que je le pose. Il faut que je le pose à l'extérieur. On a des tiges de machette. Oui, nourriture, du coup, nourriture, va dans nourriture, très bien. On a 10 sur nous, on a 38 de côté, on va pas en prendre plus que 10, honnêtement 10 c'est suffisant, parce que normalement j'en prends toujours 20. Mais on va en prendre que 10, on a de l'eau, on a du café, on a du thé si besoin. On a aussi du soin, donc on a 5 plantes de chaque pour le moment. Je voulais en prendre 10, mais ça fait un peu trop. De toute façon, j'en ai pas 10 de chaque. Donc voilà, j'ai pris des allumettes en plus. On a encore des allumettes qui sont posées là. Je vous montre... En fait, pourquoi j'essaye de gagner du temps là, à vous montrer tout ça. C'est parce qu'on a une tempête et j'ai pas envie de partir pendant la tempête. Voilà, donc voilà. Vous devez m'écouter pendant au moins 20 minutes, hein, parce que le jeu a décidé d'être horrible avec moi. Donc vous êtes obligé de m'écouter parler pendant 20 minutes. On a aussi, voilà, donc encore des allumettes, là on en a 24. On a une lampe tempête. Excusez-moi. On a une autre lampe tempête qui a 1 litre à l'intérieur. Un nécessaire de culture, un pied de biche. On a tout ce qu'on veut, hein, tout ce qu'il faut. 10 fils et hameçons. 10 fils et hameçons. Je pense que je crois pas que les torches j'en ai des 100%. Après, on pourrait en crafter des torches à 100%, mais je vais être honnête. C'est pas très intéressant de crafter des torches à 100%. C'est pas... Non, c'est pas vraiment très très intéressant. Enfin, c'est... Oui, mais bon. Le problème, c'est que ça pèse lourd, les torches. Je crois que c'est 1 kg. Non, 0,30.
peut-être un peu abusé. 0,30, qu'est-ce qu'on fait? On prend une torche. On en fait une ou deux à 100%. J'ai pas beaucoup de tissu, par contre, de réserve. Ouais, enfin, après, j'ai pas pris tous les tissus ici non plus. Faut avouer. Et après, il y a aussi les petits bâtiments. Je crois pas avoir récupéré tous les bâtiments sur la glace. Tous les tissus des petits bâtiments sur la glace. Donc, mais ouais, à la limite, on peut faire... les torches, il faut... On peut le faire à la main? Je sais plus. Torche. Oui, on peut le faire à la main. On n'a pas besoin de... Allez, fabriquer. Ouais, il me faut des petits bâtons. On va sortir. Ça m'embête encore une fois de devoir rester ici bloqué, là. Catastrophe. Catastrophique. Bon, après, la bonne chose, c'est que si on a une tempête maintenant, en théorie, on devrait plus trop en avoir pendant un petit moment. Donc ça, c'est bien. C'est la seule chose qui est positive. Torche. Ça serait bien de pouvoir augmenter son niveau de craft. Alors, petite parenthèse. Je me suis relancé dans Escape from Tarkov. Et pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que j'aime beaucoup comparer les petits skills, en fait. Enfin, non, les petits skills, j'ai envie de dire. Les skills, les habilités et les compétences, en fait, du personnage de Escape from Tarkov à The Long Dark, parce que ça serait vraiment bien si on pouvait faire ça. Donc, attendez-vous à des comparaisons, parce que là, j'en ai une belle. Ça serait bien de prendre de l'expérience quand on fait des crafts. Pas que, par exemple, avec la couture et tout ça, mais aussi, genre, crafter des choses comme ça. Genre, comme ça, on pourrait le faire plus vite, tout simplement. Voilà, au lieu de 15 minutes, bah, ça descend. 13 minutes, 12 minutes, 10 minutes. Ça serait pas mal. Petite chose, hein, comme ça, toute bête, hein, mais ça peut améliorer vraiment le gameplay. Donc, voilà. Donc, Escape from Tarkov, hein, qui est plus un boulot qu'un jeu. le tissu, on va en garder 2, 10 pardon, 10 pourquoi? Parce que 5, avec 5 ça nous permet de faire un abri igloo là, donc c'est 5 ou 10, je crois que c'est 5 et 15 bâtons, je crois que c'est ça, à chaque fois je pense que c'est 5 ou 10, je sais plus, mais voilà, ça c'est une bonne chose. Donc on a 2 torches à 100%, on va pouvoir en poser quelques-unes. On est à 32,85 kg. On va reprendre un peu d'eau. On est très très bon en poids, hein, maintenant. On est très très bon. Parce que on a donc le petit sac. On a ça, la sacoche de peau d'élan. Ça, on l'avait fait la dernière fois, je me rappelle. Et on a aussi, bien sûr, bien nourri. Parce que maintenant, on peut manger de la viande. Ah, le vent s'est arrêté, c'est bien, on va pouvoir partir. Parce qu'on est à la cuisine niveau 5, donc on peut manger de la viande de loup et tout ça. Donc là, on est parti dans le moment où, honnêtement, ça se passe super bien. Hein. Ça se passe super bien, on ne devrait pas vraiment avoir de problème de nourriture ou quoi que ce soit. On peut aller plus ou moins partout sans trop de problèmes. Ça, c'est vraiment bien. Et pour prendre des cordes et tout, ça va vraiment nous aider d'avoir ces bonus de poids aussi. Ça c'est vraiment cool. J'attends énormément. J'ai fait une vidéo sur la partie 2. Je suis un peu déçu honnêtement de ce qui arrive parce qu'il n'y a pas énormément qui arrive. Mais je suis vraiment tellement impatient de voir la cuisine. Vraiment, vraiment impatient de voir ça. Genre la cuisine, ça va être bien. Alors on a ça. Je pense pas qu'on va prendre un fétou parce que c'est. Un fétou, c'est quoi? C'est 1 kg, ça fait lourd. Hein. Je sais même plus où ils sont mes fétous. Je crois qu'ils sont au-dessus. Ouais. Je crois que c'est 1 kg l'un, donc ça fait un peu lourd. Ouais. 1 kg l'un, ça fait assez lourd. Je regarde un peu les objets que j'ai laissés. Ouais, il y a les objets qui sont en train de pourrir, mais c'est pas grave, on les touche pas. On pourrait les sortir et en faire des tissus si on veut. Mais si on les remet dans les tiroirs et tout ça, ils vont disparaître, donc faites attention à ça. Ah, c'est là que je mets mes tissus. J'avais complètement zappé. Ah, et là, je mets quoi alors? Rien. Ok, vite. Ah, c'est là que je mets mes tissus. Voyons, voyons. Avec les vêtements. Eh oui, ça a du sens. J'avais complètement zappé ça.
des plumes. J'ai plus assez de plumes pour faire des flèches aussi. Donc, ok, je fais ça vite fait et on va partir, hein, tout simplement. Oui, je sais. On se les retourne, on reprend 10. Et ça aussi. Alors je crois que pour réparer ça, il faut du cuir. Du cuir séché. Ah non, 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 c'est le recyclage, non, il est à 100%. Je sais, normalement le sac, je crois qu'il s'abîme au bout d'un moment. Mais j'ai un doute maintenant en fait. Est-ce que le sac ne s'abîme pas? Ou alors il s'abîme peut-être si on se fait attaquer. Peut-être, je sais pas. Bon. On est prêt. Je crois qu'on va dormir une petite heure. On a tout. Ah, attendez. Dernière vérification. On a des torches. On a le sac de couchage en peau d'ours. On peut... Nécessaire de couture si jamais. Une seule pierre à aiguiser si jamais. On prend de la nourriture quand on part. C'est pas de problème. On a du soin si jamais. On a du feu. Si possible. On est bon. Je crois qu'on est bon pour partir à l'aventure. On va tomber nez à nez avec un loup. Je vais louper ma flèche parce que je suis complètement à la ramasse niveau visée. Hein, parce que j'ai l'habitude maintenant de Escape from Tarkov. Et on va se faire bouffer les miches. Et ça sera le dernier épisode. Voilà. Je pense que c'est ce qui va se passer. Mais bon, on fera en sorte que ça se passe mieux. Allez, c'est bon, on y va. Qu'est-ce qu'il faut que je pose? Ah oui, non, il faut juste que je prenne un peu d'eau. Ouais, on a 5 litres d'eau, ça va. Ça va, on peut tenir un petit moment. Alors toi, t'es à 0,05. On va te garder pour un appât, je pense. Si jamais on tombe sur des canidés. Alors, on fait voir. 960. 960. Si j'en prends un quatrième, ça va être... ouais. Okay. Ah, mais t'es en train de me jeter... Merde. Quoi? Comment ça? Bon, bah on va pas prendre ça, alors. Pourquoi tu... C'est marrant, tu me jettes d'abord les trucs les plus lourds avant les choses les plus légères. C'est nouveau ça ou quoi? Ah, par contre, ça a changé ça ou quoi? J'ai l'impression que ça a changé. Bon bref, on y va. On va passer par... je sais pas. Par là. Ouais, par là. Après, on va se taper des loups. Si on a des loups, je fais peut-être demi-tour. On verra. Je sais pas. Parce qu'en fait, on peut se protéger du vent, c'est pour ça. Mais on est prêt. Ah oui, j'ai pas dit où on allait, du coup. On va faire Vallée Charmante. Un de mes endroits favoris. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime cette zone. Donc on va essayer d'y rester un nombre d'heures négatif, honnêtement, j'ai envie de dire. Et on va aller donc après à la montagne, Timberwolf, c'est ça, hein, ouais. Et après on va aller... Oh mon dieu. Après on va aller au Canyon des Cendres. Eh oui, on va aller au Canyon des Cendres pour aller récupérer notre super sac, tout simplement. C'est marrant, je vois que, vu que c'est du blanc bien clair, je vois que mon écran est sale. C'est vrai que, pourtant je l'ai nettoyé le week-end dernier. Eh, ouais. Petites choses comme ça, hein, qu'on s'aperçoit. Vous voyez, c'est utile de jouer à The Long Dark. Corbeau. Corbeau là-bas. Pourquoi corbeau là-bas, tu vois? Ah, peut-être un cadavre ou un loup que j'ai laissé. Je sais plus du tout.
C'est vers le train ou vers ou plus haut ça, je sais pas. J'arrive pas à voir la profondeur en fait. Alors, sinon, pour aller, comme j'ai dit, au canyon des cendres. Tiens, on va peut-être pouvoir couper par là. Parce que là, je crois que c'est super safe à chaque fois. Il n'y a pas d'animaux, en fait. J'espère que j'ai rien oublié. Quand on sera au... on va prendre quelques petits bois le long du chemin. Quand on sera à... au barrage, on fera un récapitulatif de ce qu'on a dans l'inventaire. Juste pour être sûr. Ouais, non, ici c'est pas mal en fait de se déplacer là, je crois. Il y a plein d'arbres. Enfin, pour le vent, c'est bien après. Ben, voilà. Donc, ouais. Moi, je veux récupérer donc le super sac. Il va nous rajouter encore 5 kilos. Donc une très très bonne chose. Permanent. Permanent, on peut même plus le déséquiper. Donc ça c'est une très bonne chose. Et on récupérera aussi... Alors si je me rappelle bien, je crois que les crampons... Ah, j'ai le réflexe de faire la souris pour essayer de tourner la tête. Mais on peut pas tourner la tête dans le jeu. Oh, voilà. C'est vrai que c'est bête. Enfin, tourner la tête tout en allant tout droit. Enfin, bref, vous avez compris. Faire ça, faire ça. On va passer par là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je veux récupérer le sac. Comme ça, on va gagner encore un 5 kilos. Et bien sûr, sur le chemin... C'est-à-dire, genre Vallée Charmante et tout ça, on va camper un petit moment, hein, quelques jours. Donc ça va peut-être nous prendre quelques épisodes par zone. Je crois que la zone la plus rapide, ça va être le Mont Timberwolf, parce qu'on va pas rester longtemps. En fait, on va pas aller tout en haut. J'ai pas envie de voyager, en fait, dans le au Mont Timberwolf. On va juste passer. On va juste passer. À la limite, on s'arrêtera à la petite cabane du début. Hein. Si vous connaissez le Mont Timberwolf, vous savez de quoi je parle. Attendez, on va se réchauffer là-dedans. Vous savez de quoi je parle. Et après, on ira directement au canyon. Parce que j'ai pas envie de monter en fait la montagne. Parce qu'elle est chiante, il y a des cordes et tout à prendre. À la limite, ce qu'on fera, c'est que quand on partira du canyon, du coup, on pourra peut-être utiliser le fait qu'on ait le sac avec 5 kilos de plus pour se balader au Mont Timberwolf. Du coup, ça sera plus simple pour nous, pour tout emporter et tout ça. Donc, voilà. On est un peu lourd, on est un peu lourd. Ça, c'est parce que j'ai un peu de bois sur moi, tout simplement. Et on peut boire aussi. Tada! Et j'ai merdé. C'est pas grave. On va dormir une heure. Mais on est tout, hein. On est bon. Hein. Que je dise pas de conneries, qu'on n'oublie rien. Parce que là, on part, on revient pas pendant un petit moment. De toute façon, on pourra aller récupérer des nouveaux objets aux nouvelles zones qu'on va visiter. Ouais, on est bon, on est bon, on est bon. Ok. Dormir une petite heure. Temps de se réchauffer et tout ça. Récupérer la petit morceau de vie qu'on a perdu aussi. C'est tout petit, mais... Voilà. Très bien. Il fait encore jour, donc je voudrais passer le... Passer le barrage. Je voudrais passer le barrage sans avoir à utiliser ma lampe. Ma lampe que... Que j'ai. Okay. Juste au cas où. Alors, si je me rappelle bien, il faut passer le barrage et il faut aller en fait tout droit. Donc, il faut rentrer dedans. Et après, il faut ressortir de l'autre côté et après descendre le long du lac gelé, je crois bien. Et on sera donc à la Vallée Charmante.
La vallée charmante va être une catastrophe. Alors, j'ai envie de dire, on va pas trop y traîner. C'est par où on descend, par là. On va pas trop y traîner à la vallée charmante. Mais il y a quand même des zones. Ouais, il y a quand même des zones intéressantes. Il y a le village, je voudrais bien aller au village. Et après, on a d'autres lieux potentiellement intéressants. Genre. Genre, je crois que c'est une tour radio ou un truc comme ça. J'aime beaucoup cet endroit. La tour radio, j'aime beaucoup l'endroit où il est, où c'est placé en fait, parce qu'on a une belle vue sur toute la vallée. Donc, ça m'intéresse d'y aller. Mais le problème, c'est que c'est loin. Enfin, quoique. J'espère que ma mémoire me joue pas des défauts, mais je crois que c'est pas loin en fait de d'où on va atterrir. De la tour radio du coup, hein, si je dis pas de bêtises. Donc on pourrait peut-être aller là. Est-ce qu'on peut passer par là? Je crois qu'on peut passer par là, ça va plus vite. Ouais, allez, c'est bon. Donc, oui, la tour radio, peut-être qu'on pourrait y aller, mais... Ouais. On peut faire la tour radio, et après on pourrait peut-être faire le village. Et après le centre, mais j'aime vraiment pas faire le centre de la vallée charmante, parce que bah, c'est une vallée, hein, c'est tout plat, il n'y a pas de protection, il y a du vent, c'est loin... Mais bon, après, on peut courir assez bien, surtout qu'on est, on a 40 kilos maximum, donc ça pourrait bien se passer. Il faut faire attention, parce qu'il y a souvent des loups qui montent. On va voir ça. Genre par là. On va voir. Je vous conseille de toujours faire ça. Alors, est-ce qu'on a des loubidas? Non, on a un loup là-bas. Ok, ça marche. Donc ouais, on peut peut-être faire ça. Après, il y a le crash aussi, le site de crash. J'avoue que le site de crash peut être intéressant. Le loup vient vers moi. Le site de crash qui peut être intéressant. Mais honnêtement, c'est méga loin de tout. Donc je conseille pas... Enfin, j'ai pas envie de le faire, en fait. Non, faudra un peu... C'est un peu la merde. Mais bon. Il m'a quand même repris. J'aurais pas dû m'arrêter en fait. Oh, on a un lapin. On a un lapin sauveur. Je crois qu'on a une grotte sur le côté gauche. Je sais pas si elle est là. Ouais, on l'a déjà passé, genre là. On peut voir. Je vais voir si je peux faire peur à un lapin qui aille sur la droite. Voilà, très bien. Normalement, c'est bon. Voilà, très bien. Ah, salope. C'est le lapin qui court après le loup. Ils sont tous bloqués, c'est bien. Bon, bah ça va. Ah, ça fait plaisir hein, de revenir dans ce jeu. Sans bug, sans problème. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'essaye pas, hein. C'est pas moi qui essaye de créer des problèmes. Hein. C'est juste que les problèmes sont là. Et je les montre. Alors, fais voir un peu. Est-ce que j'ai... Bon, ça c'est bien. Ouh, ça c'est bien. Ok, très bien. Merci. Ça... Hop. Pas mal. Ça aussi, plus on fait de la cartographie, plus on devient bon. Ça serait bien.
Ça, on peut le manger, même si c'est périmé. La flèche, on va la recycler direct. Il nous reste encore un peu de jour. Je crois qu'on a une grotte à passer, si je dis pas de conneries. Donc on va foncer. On va foncer. Je sais qu'on est un peu lourd et j'ai le lapin sur moi, mais ça va servir d'appât au pire. Bon, par contre, il faudrait que... Dites-moi... Je suis pas fou quand même. Quand on a des morceaux de viande, notre personnage était censé déposer le plus petit morceau de viande d'abord. On est d'accord, non? Oh, je sais plus si c'est à droite ou à gauche. Merde! Je crois que c'est à gauche. Oh! Non, bah c'est à droite, voilà. Mais je crois bien, parce que là, du coup, ça me met dans le beau drap, en fait. Pour les leurres, ça fonctionne pas, parce qu'elle va lâcher le plus gros morceau de gibier. Donc on peut pas en garder, genre, un petit bout, parce que moi, je faisais tout le temps ça, genre je gardais toujours un tout petit morceau exprès pour le balancer. Enfin, c'est comme ça. C'est pas grave, on fera avec. À la limite, on peut prendre un boyau sur nous. Mais bon, les boyaux, ça nous met à 1 d'odeur. Alors que la viande, il faut avoir au moins 3 morceaux de viande. Je crois que c'est à droite. Si, ça, oui, il devrait avoir une zone un peu plus ouverte et on devrait trouver des lapins. Bon, après, la zone, elle peut être à gauche, en fait. Mais on verra. Qu'est-ce qu'on fait? On court un peu? Ah, mais ça doit être ça. Je crois qu'on y est. On va écrire le... La grotte, parce que... Ouais, non, c'est ça, c'est bon, on y est. Par contre, le poids, on est à 42, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un carré. Ah, c'est un peu sombre. Ouais, ça va. On a encore un peu de temps. Oh là. Okay. Peut-être pas là, je vois rien. Je sais qu'en théorie, allumer une lumière, ça... Ouais, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Ça va, on allume. Ouais, mais là, ça doit être le chemin. Je voudrais un peu visiter au cas où, s'il n'y a pas des petits objets qui traînent. Faut que je me rappelle aussi de déposer le couteau. Ah. Le couteau et la hache avant d'ouvrir la boîte de conserve. On va prendre ça. On va les déposer à l'entrée de la grotte. Parce qu'on va être encombré de fou. Donc on va les déposer juste à l'entrée de la grotte. Là, on doit être à 45 kilos facile. Ça va? Non, pas de charbon. Pas de charbon.
Eh ben, il y en a des kérins. Je fais exprès, oui. Il y en a beaucoup des kérins ici. C'est fou. C'est fou tout ça. Mais voyons. Son histoire n'a pas encore été écrite. Moi, si j'en avais eu un, genre pour avoir backup le jeu et tout ça, je rigole déjà à ma connerie. J'aurais mis It Just Work. Genre la citation de Todd Howard de Bethesda quand il avait fait quand il avait présenté Fallout 4. Pardon. C'est pas bien de se moquer. Pas bien. Non, mais ça aurait pu être drôle. Ça aurait pu être drôle quand même. Ça aurait pu être sympathique. Taquinerie. Et après, si on m'avait donné un deuxième. Genre un deuxième truc, des pierres là. J'aurais mis. Sometimes it doesn't just work. Donc c'est encore une citation de Todd Howard, bien sûr, quand il avait présenté Fallout 76. Ou alors je crois que quand il a dit just work, c'est pour Fallout 76. Et après dans une autre présentation, quand ils avaient présenté les DLC et tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, je crois qu'il avait dit it doesn't just work. Je crois qu'il est ça. Je sais plus exactement, mais c'était aux E3. J'adore Todora. Ok. Maintenant, là. Hop. Éteins la lampe. Je l'ai déjà un peu trop utilisée à mon goût. C'est pas grave. Alors, ça. Non, je peux tout jeter. Ça. On va jeter ça. Le bois, on peut le garder. Parce qu'on est déjà en surpoids, donc honnêtement, autant y aller. Donc, on veut aller sur le côté gauche, je crois. Oui, ok, je connais, je m'en rappelle de ce côté. Ah, putain. On va sûrement attirer l'élu, mais c'est pas grave. On a beaucoup de chance hein, sur le loot. Donc, si je me rappelle bien, je crois que la tour est plutôt du côté gauche, là. Ah, attendez. Ouais, on va faire ça. Comme ça, au moins, on marque une entrée. Au pire, on laissera le lapin au loup. Et je crois qu'il va en avoir dans les parages. Et qu'on boive aussi. Ok, très bien. Ah, attendez. Je peux manger un kilo de ça aussi. Ouais, on verra. Je crois qu'on devrait monter. Est-ce qu'on peut monter par là? Comme ça on prend de l'altitude et on voit un peu mieux. Ça doit être sûrement un cerf. Mais ouais, cette zone est... Ok. Il faut juste faire attention aux loups, parce que je sais qu'il y a des loups ici. Après, est-ce qu'il y a un ours? Je sais pas, je crois pas. Ah, voilà, là, ça. Okay. Ouais, non, on est... Non, c'est mes propres pas. Non, c'est pas que mes pas, en fait, il y a autre chose. Mais je crois que c'est un cerf. Ouais, ok. Enfin, c'est pas un cerf, c'est une biche. Ah, je sais plus le nom, c'est pas une biche. On va déposer ça. Sans déconner. Quoi.
de récupérer tous les champignons. Les champignons, c'est la vie, hein, honnêtement. Ça va tellement nous aider. Oh, les corbeaux, vous voulez pas un peu la fermer deux secondes? Mon dieu. Ah, il fait tellement pas froid qu'on peut à la limite prendre ce que j'ai vu qu'il y avait une carcasse. Oh, on s'entend. On s'entend pas. Hein. Peut-être prendre un morceau de viande et même à la limite, je dirais... à gauche. Et même prendre la peau. Une grotte là. Il doit être là-bas l'ours. Le loup, pardon. Non, ça va, on a encore pas froid. De toute façon, je sais où il y a un endroit pour se... pour se reposer. Comme j'ai dit, c'est la tour radio qui doit pas être loin. Donc on peut... on peut rester un petit moment. Après, il y a là, mais bon, avec les loups aux alentours, c'est un peu risqué. Je crois. Si je dis pas de conneries, ils peuvent vous attaquer ici. Ils peuvent se balader et venir vous attaquer. On va récupérer les champignons. On n'est pas très fatigué. On est bien, ouais. Je voudrais pas taper dans le gibier, parce que le gibier, c'est quand même un bon rapport qualité... qualité-prix. Non. C'est bon rapport poids... poids et calories. Donc je voudrais pas taper là-dedans. Ah, c'est que 0,5. On va se bouger les fesses. Toi, tu me poses le lapin en premier, y a pas de problème. Alors, en théorie, ça doit être par là-bas. Ah, aurore boréale. Je crois que j'en ai jamais vu des aurores. J'en ai déjà vu, moi? Non, je crois pas. En vrai, je parle. Je sais plus si j'en ai vu. Non. J'ai vu des éclipses. Oh, doigt gauche. J'ai vu des éclipses de lune et de soleil aussi. Il a eu peur. Et il nous a flairé, mais il a eu peur. De soleil aussi, c'est quand? Genre il y a 10 ans ou un truc comme ça, où on en a eu une dans l'après-midi, je crois, en France. Je me rappelle plus laquelle c'est. Elle a un nom bien précis, elle arrive tous les 40 ans, un truc comme ça. Peut-être que je dis plein de conneries parce que mon cerveau il mélange tout. L'un ou l'autre, hein, on sait jamais. Donc le loup était quand même super loin, il nous a flairé. Ça c'est un problème. Ah là là, là, voilà, voilà. Il nous a flairé de là-bas. On est à 2 sur 3. Donc c'est dangereux. On va sortir l'arc. Au cas où. Et pourquoi aussi je voudrais qu'on récupère le sac, parce que quand on va avoir la partie 2 du DLC Season Pass... Oh, là-bas, des bois intéressants. Là. Je voudrais avoir le luxe d'avoir du 5 kg de plus, en fait. Attendez... Ah là, là, le réflexe de poser les choses par terre quand j'en ai pas besoin, je vais l'avoir 3 fois plus. Hein. Parce que, encore une fois, Escape from Tarkov. Je vais avoir le réflexe de tout balancer par terre tout le temps. Si on n'a pas besoin des objets. Parce que dans Escape from Tarkov, si vous êtes trop lourd, vous balancez votre sac.
Donc là, on fait pareil. Très bien. En théorie, on est protégé ici. Je crois qu'il y a un ours, par contre. Je crois que j'avais combattu un ours ici. Normalement, il n'est pas censé être ici à la station de radio, là. Je crois qu'il est en bas, mais nous, il était monté. Et il était au bord. Je l'avais combattu à travers le grillage ou un truc comme ça, je me rappelle. Après, je parle de ça, c'était il y a genre 3 ans, un truc comme ça. Hein. Bien. Elle est où l'entrée? Ouais, et là il y a une corde. C'est marrant parce que il y a une horreur bohane, mais ça c'est pas allumé, rien. Il y a rien du tout en fait. Voilà, on y est. On y est. Alors, dans les anciennes saisons, il y a un truc que je faisais... Oh putain, on voit strictement rien. Sans déconner. Ouais, non, c'est pas une vraie aurore boréale. Elle est pas à 100%, en fait. Bon. Il y a une chose que je faisais jamais, en fait, avant, c'est que même si j'avais, genre, niveau 5 de cuisine, je mangeais pas les choses à 0%. Mais on peut, parce que pour moi, 0% dans ma tête, c'était... Enfin, de base, déjà, pour le gameplay, je pensais qu'on pouvait pas, parce que c'était genre pas pourri, mais c'était mort, c'est fini, on peut plus les manger. Mais en fait, on peut, donc on va pas se gêner cette fois, mais voilà. Par contre, on va faire ça, et ça, et en théorie, on va forcer la truc. Ouais, forcer l'objet, ça marche. Et boum. Ça donne de l'eau. Très bien. C'est quoi ça par terre? Ok. On va allumer la lampe. On va reprendre ça. Alors ici c'est un bon endroit. Ouais, ça passe. Ça passe. Honnêtement, vous pouvez rester un petit moment. Il y a des lapins pas loin. Il y a du bois. Parce qu'il y a des arbres et tout pas loin. C'est surtout les lapins. Et après, il y a des loups. Bon, les loups, c'est dangereux, évidemment. Mais voilà, vous avez des lapins. Et vous avez vu, on a vu une biche aussi pas loin. Oh, attendez. Ah non, il faut que je fasse de la lecture. Ah non, non même pas, ça marche pas. Non, apparemment, non. Apparemment, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Donc cet endroit est sympathique. Ah, il faut trouver une carte graphique, comme dans Escape Room. Il faut... oui, cet endroit est sympa, si vous voulez rester un petit moment ici. Vous devriez pouvoir trouver votre bonheur. Oh, yes, ça c'est bon. Ça. Et il y a un établi. J'avais complètement zappé ça. Il y a un établi en intérieur, en plus. Ah ben, c'est un très très bon endroit aussi. Très très bon endroit. Bon bah du coup on va s'arrêter là hein, parce que on va faire déjà une heure je crois. Ouh bien bien bien. On a beaucoup d'objets honnêtement. On a beaucoup d'objets. On va s'arrêter là. Putain de toit de tam. Ah la vache. Un jump scare quoi. C'est bon ça marche maintenant. Ah, ah le jeu quoi. Alors journal. Oh le modem 56K là il va se dépêcher. Journal Easton 1 doc. En plus c'est un doc X donc c'est les derniers.
premier jour de travail, en plus des bulletins quotidiens, le service météorologique m'a demandé de tenir une sorte de journal personnel. Si j'ai bien compris, le type qui était ici avant moi souffrait un peu du mal de l'enfermement sur la faim. Ils ont pensé que ça me ferait du bien d'écrire. Et avec les interférences qu'ont connues les gars de la météo cette année en transmettant les avertissements météorologiques d'urgence, il y a des chances qu'on ait des périodes d'arrêt. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on sera à l'antenne, j'aurai le droit de diffuser un peu de musique aussi. Ça va être sympa. Voilà, ça va être sympa. Oh là là, du café en plus, t'es sérieux? On trouve du thé, du café. Ah là, les niveaux de rareté, c'est pas mal. Hein. Ah, j'avoue que le jumpscare, là, il était pas mal. Il était pas mal. Ah, si vous êtes épileptique, hein, adieu. Faites attention. Je regarde s'il n'y a pas d'autre chose à toucher. Il y a plein de boutons. Appuie sur quelque chose. Non ? Chaise. Soit en métal. Du coup, on peut utiliser l'établi si on veut. Oh, la télé. Il n'y a pas de radio. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de radio ici. C'est bête. Bon, bref. Regardons un peu ce qu'on a. Pas mal de café. On a ça. On a de la nourriture encore. Bois de récupération. Non, bois de... générable, on peut le mettre là. Enfin, donc on peut laisser ça ouvert. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Est-ce qu'on laisse le café ici ou pas? C'est ça ma question en fait. Ah oui, après on a quoi? Alors on a des bottes. Recycler, c'est cuir x2, c'est intéressant de les recycler. Après on a eu ça, alors faut voir un peu, parce que je sais plus vraiment si c'est mieux ou pas. Là c'est à 80%. Non, c'est moins bien. Recycler, c'est juste du tissu. Les bottes, j'ai bien envie de les recycler, honnêtement. J'ai bien envie de les recycler, les bottes, pour le cuir. Juste au cas où. Là, en théorie, si je dis pas de bêtises... avec la partie 2, si on a la radio, on devrait avoir des émissions radio. Devrait avoir des émissions radio. Qu'est-ce qu'on fait? On passe 2 heures et quelques à... ouais, on peut le faire. Par contre, on va d'abord manger. Alors, attendez, parce que si jamais le courant s'arrête, on va plus rien voir. Donc là, il y a mes objets. Donc, je vais d'abord manger ça. À manger d'abord ça, là. Ça nous fait de l'eau et de la nourriture. Puis après, on dormira. Ce sera la fin de notre épisode. Notre épisode, je crois qu'on dépasse les 1 heure. Mais c'est un épisode de retour. Ça, recycler, cuir séché de... Très bien.
Ah, il est gelé. Ah mais non, mais je suis con. Parce que j'ai pas mes trucs sur moi. Parce que j'ai pas envie de passer... pas envie de passer 3 siècles. Déjà qu'on a... Pendant une heure et demie, on était sur, sur les chaussures. Ok, très bien. Voilà, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Je crois qu'on va devoir le manger. On a quoi encore? 300, 250. On va voir. Pourquoi je me suis baissé, ça, hein. On va voir. Je crois que de toute façon, on peut dormir au moins une dizaine d'heures. Il n'y a pas de problème. Et avant de partir, je pense qu'on va faire cuire la, la nourriture qu'on a là-bas. Qu'on a à l'extérieur. Je pense qu'on va la faire cuire. Comme ça, ça nous fera un petit boost de calories. Parce que là, on est à la moitié de notre, notre bar. Ouais, 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 ouais. Petite faim. Ouais, ouais, on fera ça. Ok, on va dormir. Merci beaucoup d'avoir regardé. On est à 38 kilos. On est très bon quand on partira. Donc on ira faire du feu juste avant de partir. Comme ça, ça nous permettra de chauffer un peu une tisane. Une tisane. Comme ça, on aura le bœuf et on partira du coup à la découverte de la vallée charmante. On va descendre directement. Je crois qu'il y a une maison pas loin en plein centre. Enfin, si vous regardez la, la tour, elle est là. Je crois que si on descend en plein ligne droite, il y a la première maison. Après, il y a la maison sur la droite, si vous continuez dans ce sens-là. Et si vous continuez encore dans le sens de droite, on aura le village. Le village qui est intéressant. Et après, le village, honnêtement, bah, on va monter jusqu'à aller à la, au mont Timberwolf. J'aimerais bien vous dire des points cardinaux, mais vous savez que dans The Long Dark, ça fonctionne pas comme ça. Voilà. Et puis de toute façon, les points cardinaux, hein, peu importe où vous tournez, ça change de direction. C'est bien connu. Allez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.